Ok, on va continuer. Donc, pour ne pas perdre trop de temps, donc je reprends l'exercice depuis le début. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. On est arrivé sur la jambe gauche. Donc, vous êtes directement prêt pour une sortie. Sortie hors. 1, 2, 3 et 4. On va rajouter là-dessus. Je la fais poser d'abord et je lui demande après d'avancer. Donc, n'essayez pas de pivoter tout de suite sur vous parce qu'au niveau musical, vous allez être un peu trop vite par rapport à ma clave. Ça va? Sur mes 8 ans. Donc, je vous demande de poser le pied et de faire ça. Je peux rajouter un autre exercice pour vous obliger à reculer pour que vous compreniez que le but, ce n'est pas de tourner en pivot. Et puis, c'est l'occasion de bouger. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vous vous obligez à ne pas avancer, d'accord? Je vais rajouter ça à l'exercice au lieu de continuer dans l'autre sens, parce que en fonction de, je réagis. Je remonte maintenant, donc je fais 1, 2, 3 et 4, 5. On va poser son pied droit en arrière, 6, 7, 8 et 1. Et on va partir directement en demi-cercle. En cercle ou en demi-cercle. Pas. Et on revient. Ça va? On va juste travailler ainsi. Parce que vous avez tendance à pivoter. Alors, je reprends. On y va. Prêt? Sortie hop, pied gauche, vers l'avant. 1, 2, 3, 4. Attention avec votre main dans le dos. Vous allez lui demander de tourner, faire face là avec la jambe, poids du corps sur la jambe gauche. L'homme va faire pareil, jambe gauche vers l'arrière. On va reculer. 1. D'accord? J'ai mon poids du corps en arrière et à son poids du corps en arrière, je vais lui demander de partir sur le cercle directement avec la jambe gauche. 1. Ok? En fonction de la musique. Vous savez le faire tout de suite ou vous attendez encore de reculer un temps. Je reprends encore une fois. Prêt? Sortie. Homme. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 1. D'accord? Attention, je ne la pousse pas. C'est mon haut du corps avec l'aura du danseur qui va montrer à la danseuse qu'elle doit avancer. 1, 2, 3 et 4 et 5. 6 et 1. Je ne touche même pas son pied. Hein. Un autre truc.